Salut, salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle semaine de trading, j'espère que votre semaine sera assez fructueuse. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour cette nouvelle semaine qui démarre qui a déjà même démarré au moment où je fais cette vidéo? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, on pourrait expérimenter une sorte de hausse du dollar américain, encore une fois, liée aux effets d'incertitude qu'on a sur l'économie de manière générale. Et ça, ce sera pour la première moitié de la semaine. Et après, on va subir une sorte de chute du dollar américain à partir de la deuxième moitié de la semaine. Du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, on pourrait expérimenter une sorte de hausse de ces monnaies-là. Et bien sûr, du côté du yen japonais, on pourrait voir une légère correction sur la grande tendance baissière qui est en train de se manifester. Et cette légère correction pourrait se terminer par une chute tout au long de la semaine qui va démarrer tout au long de la deuxième moitié de la semaine. Donc, je pense qu'il faudra surveiller clairement les grosses tendances dans ce sens-là et pouvoir détecter potentiellement les paires de devises qui vont manifester une sorte de divergence en termes de tendance et donc, du coup, détecter les paires de devises qui vont donc nous permettre de trader et d'avoir des gains plutôt assez intéressants. Donc, si tu n'as pas regardé le live qu'on a fait ce dimanche sur la chaîne YouTube AfroForex, n'est-ce pas? Donc, tu n'as qu'à aller sur YouTube, taper AfroForex et tu pourras donc retrouver la chaîne YouTube. Tu pourras me retrouver là-bas et tu pourras donc regarder de A à Z les analyses macroéconomiques que nous avons faites pour pouvoir dégager les grandes tendances et donc maîtriser les saisies ou alors présenter les opportunités à fort potentiel qu'on pourrait avoir pour la semaine, que ce soit sur le marché des devises, sur le marché des cryptos et éventuellement sur le marché des indices. Donc, je te souhaite tout simplement encore une fois bonne semaine et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!